Alors ce matin, Wild Ride Montlhéry, il y a pas mal de participants. Pas mal de motos. Ah, il a sorti la GoPro. Oh là 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 là. Ah, ça va faire mal, hein. Oh là là, ça va être terrible. Tiens Serge, je te laisse suivre, mets ton casque, après tu filmeras un petit peu. Pour couper, tu appuies là-dessus et pour redémarrer, tu appuies à nouveau. Donc, et le voyant, il est où? Tu vois, là, ça veut dire que ça filme là. D'accord, ouais. Aujourd'hui, c'est les 100 ans de l'autodrome. C'est quoi? Les 100 ans de l'autodrome aujourd'hui. Ah ouais?
voyage très sérieux, pilote, donc ça arrive. C'est des connards. Les gens roulent n'importe comment. Vous avez vu deux, trois fois, je me suis fait troller par les voitures. Faites attention. Quand il y a des véhicules en face qui arrivent en face, moi, décalez-vous légèrement, par sécurité. Ok, on est en balade. On n'est pas. On est en balade. Voilà. Voilà. Par contre, une chose, regardez dans vos rétros, les gars. Parce que je vais essayer de filmer, je vais prendre des prises de vue.
je vais essayer, puisque aujourd'hui c'est exceptionnel, c'est la journée de la on-ride mondiale. Donc ce que je voudrais, bah, c'est qu'on puisse voir un petit peu les motos, les royales et tout, puisque c'est le sujet. C'est quoi ça? Ouais, ça c'est quoi ce truc en plastique? Non, je rigole. Voilà, essayez de regarder dans mon rétro quand je fais des remontées. De toute façon, vous allez voir, hein, j'ai un flash. Je le garde sur la gauche exprès pour les véhicules qui arrivent en face. S'il vous plaît, essayez autant que possible, j'ai dit autant que possible, d'éviter de faire des trous entre vous. Essayez de serrer un peu plus. Maintenant, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la route, le quinconce? Non. Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui. Bon, ça c'est roulé en toute sécurité, plus serré, faire des groupes, et de manière à ce que le véhicule qui est devant ait une certaine distance de sécurité. Ouais, c'est sûr, quand on est en balade, c'est pas moi, c'est à Michel, tu sais. Regardez, pourquoi faire? Allez, viens. Je vais prendre un boulette. Hein. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Hein. Je pinaille comme ça, je suis là. Ah ouais, vous en faites pas, c'est juste voilà, pour vous faire réagir. Mais ça n'a rien de. Hein, okay. Là, on a bien. On a fait plusieurs groupes, mais là, on a le groupe le plus nombreux. Il y a quand même quelques belles machines, une belle Triumph Scrambler, Royal Enfield. Je vais te faire voir ma soeur. C'est qu'elle va être un nom quand je on parle. On se filme mutuellement. Michel et tout, quoi. Bien, bien, monsieur le journaliste. Ça, c'est le chef. Va, monsieur le journaliste. C'est le chef qui est en tête. Quel chef? Où t'as vu un chef? C'est toi le chef. Ah, je croyais que c'était. Bon, une GT. Bon. Une intercepteur. Oh, bah c'est bon, c'est bien tout ça. Ouais, mais là. Une super météore. En gros, la vitesse moyenne, ça doit être. Deux intercepteurs. Super météor en vert et noir, ça c'est vraiment beau. Ça c'est ma beauté. Ça. C'est vraiment une belle couleur, ouais, ta beauté, t'as raison. Ouais. Ah oui. Comment s'appelle déjà ce modèle là je... Aurora. Aurora, ah c'est ça, Aurora. T'en veux une? Regardez, les clignotants sont chromés, alors que je crois qu'ils sont noirs sur les autres. Ah ouais, ouais, et puis la péquille latérale est chromée aussi. Ils ont fait des petits efforts, ouais, très belle comme couleur. Bon, super météor. Kawasaki. 150. Et ça vient quand tu passes peut-être les vitesses. Et. Ça c'est la nouvelle. C'est la nouvelle Himalayan. On est prêts? Un petit loulou là. Non parce que si on est en retard, on n'aura rien, on aura que les petites miettes. Thank you.
Comment t'as fait pour perdre ta sacoche? Elle s'est décrochée, mais ça fait plusieurs fois qu'elle se décroche. Ah bon? Normalement, j'aurais pas dû prendre cette moto-là. Ah. Normalement, j'aurais dû prendre une Royal Enfield. Parce que moi, j'ai un problème avec ça et avec ça. Et j'ai pas eu le temps. Il m'a annoncé ça hier. Ah, il m'a dit, d'accord. Il n'y a plus de Royal, donc du coup, il y a un problème d'accrochage. Sinon, ben, j'avais pas de moto. Ouais. Donc voilà, la caisse, elle est morte. Ok. Alors, c'est la sac d'une femme et ça, c'est la poche d'un homme. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il est rétro qui se dévisse tout le temps. C'est une clé de 14? Non, c'est la clé pour les rétros. C'est combien? Le 14, t'as raison. Ah bah, oh ouais. La clé de 14, c'est ce qu'il y a de plus courant. La clé de 14, c'est pour mon rétro. J'ai le sifflet. Et puis alors, un sifflet, attention. Non, sécurité de la route. Voilà. Donc, de temps en temps. C'est vrai. On mange. Ouais. Le problème, c'est que là, on est à peu près une vingtaine. Ouais, moi, 20, je ne peux pas gérer. Enfin, c'est difficile à gérer. On est obligé de ralentir. On avait dit trois groupes de 7 ou 8, et on a un groupe de 20. Du coup, moi, j'ai prévu un super parcours. C'est par contre assez atypique. C'est ça le zoom en fait. Retour à la concession. Ah, je t'ai pas pris avec Michel en fait. Ah ouais, tu m'as pas pris en photo. Tiens, filme-nous. Allez, je vous filme. Michel. Allez. Voilà. Super Michel, super pilote. Satana, c'est le diabolo. On a dépassé 135 km/h. Toute la balade en sidecar. Oh, voilà. Satana, c'est diabolo. Ah, mais bien, t'es conduit qui bien. Qui est Satana, ce qui est diabolo. C'est ça, ouais. Ah, mais je suis copilote. Ouais, c'est pas grave.
C'est un de mes élèves. Ma fille, là. Là, ceux qui nous ont... Ah non, tu les as pas vus. Je ne la connais pas cette machine là. Je dis je ne la connais pas cette machine, c'est quoi? C'est une SWM, Grand Turismo. Donc c'est le même moteur que votre side. Ah ouais. Parce que je crois que les pistons ils sont un petit peu différents de la. Bah c'est un 445. Et bah c'est le même, c'est la même. Ah ouais c'est le même. Alors celle-là, c'est la guérilla. La guérilla 450. Ce que j'aime bien, c'est ça. Très chouette. Petit bec là. C'est pour ça que je te dis sur 3 jours. Pour réserver un gîte. Le matin, on craint pas. Non, mais si, regarde, si il si gèle, il gèle, ça va être longue. Arrête. C'est pour TF1. Oh, Michel.